Salut tout le monde, c'est Sundard et bienvenue sur la 14e partie de Shadow of Mordor. Je ne suis qu'à 39% du jeu, 17 heures de jeu, ça n'avance pas, donc ce que je vais faire là pour le moment, c'est à fond dans la quête principale. On va laisser tomber les petites bagarres d'orques et tout ça. Les capitaines plus puissants vous donnent des runes de niveau plus élevé. Oui, mais j'ai pas le temps là, ça traîne beaucoup trop. Alors, donc, quête principale. Alors attendez, j'ai un petit bug. Voilà, c'est réglé. Merde. Ah. Attendez, c'est parce que j'ai laissé allumer mon XP d'or. Je vire ça tout de suite. C'est le live, c'est les aléas. Et on est bon. Voilà, c'est réglé. Bon, donc, quête principale. Là. Là-bas tout au fond, je vais me téléporter ici. L'unique vérité. Ah ben voilà, une mission avec Gollum. Avec Gollum ? Je suis sûr que je pourrais trancher le pied de ce satané Grog avant même qu'il ait le temps de cligner des yeux. Bon, j'ai pas joué depuis 2 jours, donc je suis un peu à froid. Voilà. On va en tuer quelques-uns pour s'échauffer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Gollum désire ardemment mener le maître de lumière aux artefacts. À chaque nouvelle découverte, le pouvoir du spectre augmente et son lien avec le seigneur des ténèbres se précise. Allons chercher ton précieux trésor. Mais même le héros en a marre de ce genre de mission. L'aigle chasse les lapins d'en haut. Allez, on suit les traces de Gollum. Trouvez Gollum. Allez, plus vite, plus vite. Bon, par contre, il y a des Caragors qui vont me casser les couilles là, donc on va passer par là. On suit les petits pas. C'est super difficile. Hop. Non mais ce Gollum, il monte partout. Parti par le seigneur des ténèbres, mais pour le défier. Elles ne sont plus que ruines au milieu des ténèbres. Salut Lolotte. Comment ça va? Je suis les traces de pas de Gollum. Ok, on va se battre contre un Grog. Bon, j'en ai jamais eu. Je l'ai jamais battu, tir d'elfe. Vers l'entrée de la grotte, on se jettera dans la gueule du Grog. Une flèche bien placée devrait être efficace. Bon, là, je suis complètement dirigé. Bon, ok, je tire là-dessus. Ça devrait occuper le Grog un moment. Ah mais non, je vais me battre contre le Grog. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le tuer? J'en sais rien. Allez, je m'en vais. Je vais à mon objectif. Ça m'a l'air trop facile. Ici, l'air empeste la mort. Non, non, il va sûrement revenir, hein. Des gules. Oh non! Pourquoi ça ne me surprend pas? Voilà, du coup ils vont donner l'alerte.
Et y en a encore un, non. Je pensais qu'il y en avait trois. Bon bah ça change un petit peu hein, de toujours se bagarrer là dans le Mordor. Et il est prêt à remettre ça. Ça fait plaisir. Mon imitation de Gollum, non, elle est pourrie. Je sais pas imiter Gollum. Trouvez la tanière du Grog. Fouillez la zone pour trouver l'artefact de vision. L'artefact de vision, où est-il? Fouillez la zone. Du lait bleu. Attends. Voilà, bah oui. Seul peut accomplir une telle promesse. Celebrimbor. Celebrimbor. Le plus grand forgeron du deuxième âge. J'en ai entendu parler. Je me souviens de mon nom maintenant. J'ai façonné l'histoire de la terre de milieu. J'ai forgé les anneaux de pouvoir. Ok. Sauve-toi, idiot. Bon. Compétence débloquée. Frappe de l'ombre. La frappe de l'ombre. Maintenir LT. Appuyez sur A. Vous transporte instantanément vers la position de votre cible. Comment ça marche, ça? Infliger une frappe de l'ombre à un ghoul. Oh putain. Ok. C'est excellent. Bon, du coup, je m'échappe de là. J'ai quand même envie de me le faire. Plus tard. On fera ça plus tard. Merde. Non, foutez-moi la... Aïe. Comment je m'échappe de là? Par là. Ah mais oui, mais voilà. Mais oui, d'accord. Va falloir utiliser ça tout le temps, du coup. Alors, voyons voir. Ce truc de pété, quoi. Je me souviens de ce pouvoir dans le film. Alors attention. Lui, tac. Là je peux pas le faire. Là je peux pas le faire non plus. Voilà. Toi et les tiens. Le précieux, c'est le maître qui l'a fait lui
aussi. Où est-il? Je n'ai aucun souvenir d'une telle chose. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? L'être doit se souvenir. Oui, il doit. Nous avons trouvé d'autres trésors. Oui. Après, il nous mènera jusqu'à lui. Victoire, l'unique vérité. Je lutte avec des bribes de souvenirs, les anneaux de pouvoir. Neuf pour les hommes. Leur pouvoir cause à leur perte. Je me demande si je peux utiliser la frappe de l'ombre sur des orques. On va essayer ça tout de suite. Mais les Nazgûl. Du coup, je vais aller dans une mission secondaire. Ici. Une note sur 20 pour ce jeu. Eh bien, fan service sur 20. Magnifique sur 20. Défoulant sur 20. Et répétitif sur 20. Répétitif, hélas. Alors attention, on va essayer la frappe de l'ombre. Sur lui, là-bas. C'est complètement pété comme pouvoir. Par contre, c'est pas du tout discret, donc je vais éviter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas que je suis occupé? Non mais calmez-vous les gars! Merde. Ok, faut que je m'en débarrasse. Pour débloquer une mission ici. Donc je dois délivrer les esclaves. Putain, je sais plus jouer. Voilà. Ça commence à revenir. Tout doucement. On arrache la tête. Et un petit coup critique. Ah non, mais pas ça. Putain, ça je vais le sortir à chaque fois du coup. Le guetteur disponible, voilà. Pitié. Ils vont essayer de saboter une tour d'archer, mais ils risquent de se faire prendre. Alors ça c'est tentant. Un grog. Et j'ai envie de me le faire, le grog, merde. Allez, on y va. Un peu d'action, que diable. Oups. Là, je suis en mode Dark Souls. Oh, putain. Recule, sale bête. Non. Aïe. Attirer la tête du grog avec un tir chargé. Putain, ça m'a servi absolument à rien. Oh. Oh non, non, je veux pas mourir. Bon, c'est trop tard, voilà. Je suis pas encore assez puissant pour me le faire. Rip Sundarm. Que sont ces tours d'argent? Ce sont des lumières qui nous guident dans la terre des ombres. Salut Juveno. Donc je disais, on va faire ça. Embuscade. Interrompez l'embuscade dressée contre Gimoub, le tracker d'hommes, pour affaiblir l'armée de Sauron. Le pâle reflet de la lumière. Salut Elix. Le souvenir d'un royaume. Et vous êtes tous là ce soir? Attention. À 200 pieds. Et je ferai la mission principale juste à côté après. Ah putain, il y a encore un camp là. Coco, désolé d'interrompre cette petite partie. Fous le camp, toi! Tu vois pas que je suis occupé avec l'autre? Tiens, j'avais rien contre toi. Non mais vous avez pas la force. Laissez-moi faire. Oh merde. Venin disponible. Où tu vas toi? Je crois que je t'ai pas vu.
Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, l'embuscade là-bas. Qu'est-ce que... Non! Aïe! Voilà, je te laisse la vie sauve parce que tu me fais pitié. Oui, mais laisse-moi passer, s'il te plaît. Les Uruks essaient souvent de s'entretuer si la victime survit et accroît son pouvoir. Faisons une pause ici, hein? L'endroit est sûr, j'espère. L'endroit est sûr, j'espère. Salut, chevelu. Le tracker d'homme est pris en embuscade. Moi, je fonce dans le teint, rien à foutre. Quoique. Guimaube. Peur des Karagor. Attaque rapide. D'accord, mais je fais bien de regarder. Je ne peux pas l'avoir directement. Ça, c'est la merde. Bon, bah, je vais en profiter que personne ne me voit. On va se faufiler. Je sais pas comment, mais on va se faufiler. Laisse tomber. Bon, allez, go. Merde, pas lui. Hey, hey. Non, c'est lui qui t'a envoyé, c'est ça? Va pour lui maintenant, hein? Salut, super gros quick. Bon, allez, c'est parti, corps à corps, je tente quand même. Oh, mais ça marche. Oh, 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 qu'est-ce que t'essayes de faire? Non, putain, le mec derrière, je le déteste, lui, avec sa lance. Allez, allez, on le défonce, on le défonce. Oh, Guimaube n'est plus! Maintenant, foutez le camp. Foutez le camp, tous. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux te battre? Merde! Oh putain, j'avais pas vu! Oh, bien joué! Allez, vite, je récupère mon pouvoir. Non! Attends, ils font quoi, là? Ah, il s'échappe. D'accord, très bien. Bon, bah du coup. Là, je vois que j'ai une tête de mort sur ma carte. Je sais pas où ça se trouve. Bon, tant pis, allez. Mission principale. Non. Foutez la paix aux gens, vous. Ils l'ont même pas eu, c'est con. Je suis un peu loin, non? Ah ouais, ouais, mais non, mais je suis carrément loin, là. Heureusement qu'on peut faire ça. Le déplacement rapide n'est pas disponible? Ah bon? Mais pourquoi? Oh putain. Oh putain, qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que je voulais faire? Putain, je déteste cette attaque. Ouais, c'est sur PC, ouais. J'arrive plus à les prendre. Voilà, très bien. Mais non! Comment je fais pour les interroger? Ouh, il y a un archer qui fait le malin, là. Je sais pas où il est. Il est là. Pouais! Bon, est-ce que je peux me téléporter, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Ce serait bien de prendre un Karagor, tiens. Ne pas oublier les plantes aussi.
Malos collecté. La mission est juste là. Je crois que c'est la première fois que je viens ici. Galgals d'Odwin. Le monument des ténèbres. Détruisez le Gortor pour attirer les capitaines noirs. Je ne sais pas. Tu as vu de quoi étaient capables ces monstres? C'est de la folie de rester ici. Oui, mais les circonstances ont changé. Tu ne vois pas qu'il est de notre côté maintenant? Pourquoi voudrait-il nous aider? Il y a des semaines, c'était notre ennemi. Stallion, tu es prêt pour la bataille? Je ferais bien d'apporter ces bandages aux autres. Les orques construisent un monument en l'honneur de Sauron. On a suffisamment de poudre pour le faire sauter. Bien. Il est grand temps d'en finir. Tu ne partiras pas sans moi. Je pensais que tu te contenterais de sauver ta femme. Moi aussi. Allez, partons avant que je change d'avis. Il faut pardonner à Erin. Son cœur est avec notre peuple. Les esclaves que tu nous as aidés à libérer m'ont indiqué le point faible du monument de Sauron. C'est là que nous frapperons. On va devoir voler un chariot de grog aux Uruks. Ce sera une amorce parfaite pour la poudre explosive. Allons-y. Ouais, c'est bien la version Game of the Year que j'ai pris. Avec tous les DLC, les chapitres suivants. Parce que le jeu n'est pas complet lorsque tu l'achètes. Qu'est-ce qu'il y a? On se bat contre ça? Non, j'ai pas envie de me battre. Les gules s'en prennent aux Uruks. La noirceur de la nature est indomptable. Salut Priestolik, salut Solvictus. Sol Invictus. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quand il y a du grog, il y a des Uruks. Quand j'en aurai fini, plus aucun Uruk ne respirera. Tu as ma parole. Dégagez la zone et sécurisez le chariot des grog. Ferme-la. J'ai pas le temps. Voilà. Hop. Point de compétence. Merde. Je le vois. Mais non, tu me vois pas, qu'est-ce que tu racontes? Le chariot, l'étincelle de notre révolte. Quoi? Mais attends, je suis en train de me battre là. Quelque chose qui est du répondant. S'il revient, il est mort. Bon, je suis pas obligé de le faire. Si. En furtif. Quand j'étais en patrouille, j'ai allez, senti... Hop. Et ton pote aussi. Vous avez entendu? Aïe, mais. Arrête, chut. Laisse-moi faire. Je suis assez grand pour le faire. Voilà. 6 sur 9. Les autres sont là-bas. Ok. C'est quoi cette mission toute pourrie? Il y a moins de gules quand il fait jour. Je préfère encore surveiller l'immortel que ces saletés de bestioles. Ce sale poltron a déconné. Et le petit dernier. Il est... Les rumeurs à propos de spectres tombant du ciel sur le dos d'Ouro. Attends, je le vois pas, il est là-bas. Ah ben non, c'est un Karagor, ça. Là-bas. C'est bon, les gars. Excellent, Talion.
À présent, veillons à ce que nos hommes puissent pousser le chariot sans risque jusqu'au monument. C'était vraiment pas difficile. Débloquer une compétence, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Frappe de l'ombre mortelle, une version mortelle de la frappe de l'ombre. Bon. Ok, je prends. Regarde, comme le mal est prompt à tout détruire. Que des ruines. Le Gondor ne doit pas être la proie des ombres. Allons-y. Tu m'emmènes où comme ça? Je peux pas aller un peu plus vite là. Y'a personne de toute façon, quoique. Allez go! Attends. Quelque chose se cache dans le noir. Des gules! Ils vont tous nous dépecer! Mais non, t'inquiète. Avec ma frappe de l'ombre mortelle. Oh oui, d'accord. Oh mais c'est excellent ça! Voilà. Trop facile. Je crois que j'ai fait trop de missions secondaires, du coup les missions principales sont trop faciles. Détruisez le camp pour libérer le passage de chariot. Ok, je serai là. Non, non, reste là. T'occupe. C'est moi qui joue. Voilà, rien à foutre. De la furtivité. Moi, je fonce dans le tas. Merde. Non, 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 non. Reste là, toi. Putain, mais défends-toi, toi. Merde. Mon genou. Allez, vas-y, relève-toi. Putain. Quand il fait son turbo, c'est assez difficile de manœuvrer. Voilà. Combat côte à côte, qui l'eût cru. Il y a encore un survivant, bon tant pis, je laisse tomber, j'ai plus de flèches de toute façon. Salut Sarias. Salut Enuk. J'aurais peut-être dû le drainer, du coup. Oui, oui, j'arrive, oh là là. Les gules attaquent Durtang. Cette diversion va permettre à mes hommes de pousser discrètement le chariot sous le pont. Là, parfait. Parfait, parfait. Les flèches. Vite, vite. Merde, non, descends. Descends. Désolé de ce petit contretemps. Là, il y a encore un truc.
Voilà, j'arrive. Allez, dépêche-toi, putain. Il nous attaque. On a juste à côté de moi. Ah. Putain. Est-ce que je peux les drainer ceux-là? Oui. Merde. Foutez le camp, saloperie. C'est ça que je veux faire. Je veux faire ça. Voilà. Et ensuite. Voilà, foutez le camp maintenant. Vivement que ça se termine. Ce petit périple. Les hommes vont protéger le chariot. Dégageons-leur le passage. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Laisse la bête tranquille. Tiens-toi prêt, Talion. Le prochain avant-poste sera le plus grand. C'est trop calme. Il y a un problème. J'ai intérêt à la réussir du premier coup, sinon je dois tout recommencer. J'ai vraiment pas envie. Merde! Non! D'accord, voilà, voilà. Mais voilà le problème. Ah putain! Non, non, non! Fous-lui la paix! Allez, debout! Continue. Par où? Par là? Les Karagor. Un ennemi en remplace un autre. Voilà le monument. Un hommage aux ténèbres, construit avec le sang de mon peuple. Je vais savourer sa destruction. Regarde-le bien. Ce monument sera bientôt en miettes. C'est la première fois que je viens par ici. Voilà, Roder. Votre succès dépend de notre capacité à nettoyer l'avant-poste des Uruk. Mes hommes ne pourront pas se poster avant pour détruire le monument. Ok, ça me plaît. Les rangs des Uruk s'éclaircissent maintenant que j'ai tué leur chef de guerre. Je ne te lâcherai jamais, voilà. T'as plus de tête. Alors où sont les autres? J'ai déjà éliminé 3. Je parie que l'intendant du Condor aurait aimé avoir plus d'hommes à la porte. Enfin, ça n'aurait pas fait une grande différence. J'ai fait n'importe quoi là. Saleté d'humain, traquez-le. Aucun souci. Une compétence au milieu de nulle part. Rivière de flèches niveau 7. Oh là là, mais c'est immense. Il y en a encore dans le coin. Là-bas, j'en vois un. Là, il y a un Karagor. Je pourrais aller avec le Karagor, pourquoi pas. Histoire de faire ça vite. Allez, je vais faire ça vite.
Putain, j'ai paumé le Caragor. Oh, il y a un truc là. Comment je fais pour aller là en face? Ça, je crois que c'est important pour avoir la vraie fin, un truc comme ça. Itildin, et j'en ai 1, 2, 3. 3 sur 32, ah ouais, d'accord. Je sens que je vais passer à côté de la vraie fin. Je crois pas que ça soit indiqué sur le radar en plus. Bon, oui, le Caragor. Il est où? Putain, je le vois pas. Je ne le vois pas. Là! Et c'est vide, merde! Bon allez, rien à foutre. Si j'en vois un, je le prends. Quelque chose vient de bouger par là. C'est moi! J'ai essayé une belle petite frappe de l'ombre sur lui. Merde. Où tu vas? Merde, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est qui, ça? Je l'avais jamais vu avant. Merde. Ah oui, mais c'est les hommes, d'accord. Merde. Non, mais cassez-vous! Oh la vache! Je m'attendais pas à ce qu'ils viennent tous ensemble. Je dois juste les escorter en fait. Il y en a un qui va apparaître ici. Il est où? Là-haut. Salut le Bono et Captain Mushroom, protégez le chariot de Grog. Ok. Touche pas au chariot de Grog, full camp, c'est pas pour toi, dégage. Merde. Ce serait bien d'utiliser des frappes de l'ombre là du coup. Non, pas contre lui, putain. Ah merde! Ah non! Pour le bonus, tant pis. Hein. La douleur mortelle ne nous affecte pas. La nôtre est. Attends, il est où l'autre? Il est où l'autre? Il était juste là. Merde, je n'ai plus de tir d'elfe. Là. Oh là là, vite! Je suis trop lent. Maintenez RB à l'arrière du chariot de Grog pour le pousser vers les portes.
Attends que je me manne, je crois. Allez, laisse-moi passer, bande de cons. Voilà, je me mets là. Et maintenant, on pousse le chariot. Y'a personne qui veut venir pousser avec moi, là. C'est n'importe quoi. Le premier qui touche à mon chariot, je le fume. Oh, putain. Toi, déjà, tu touches pas. Pas pareil. Merci, le radar. Oh, mais c'est facile. Toi, tu sais pas viser, toi. Ah, mais attends, mais... Ils sont en train de tirer sur le chariot. Bande de cons. Tu as scellé leur sort. Mon peuple croit qu'il vient de retrouver la liberté. C'est ce que tu leur as dit? Les hommes ont besoin d'espoir. Je leur ai offert ce qu'ils demandaient. Tes hommes ont besoin de leur chef. Le monument des ténèbres, victoire et succès Steam déverrouillé, Gortor le cruel. Eh bien, ainsi s'achève... Ces exilés, il semble que je sois moins un monstre mort que vivant. Cette 14e vidéo de Shadow of Mordor. Et ses capitaines. Le jour où ils reviendront, ces hommes mourront.